Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Easy Guitar. On va aborder aujourd'hui une question de Séverine. Les arpèges, c'est parti! En réponse à Séverine, on va aborder quelques petits points simples au niveau des arpèges. On va voir tout d'abord quelques éléments de base. Ensuite, on va voir quelques positions simples au niveau des arpèges. Et puis ensuite, quelques conseils génériques. Tout d'abord, au niveau des positions. Alors, je vous mettrai un lien par rapport à un tuto qu'avait fait Laurent Rousseau qui était super bien expliqué. Donc, je vous recommande d'aller le voir, il expliquera 10 fois mieux que moi. Je vais juste compléter sur 2-3 petites choses qui, moi, me paraissent essentielles. Au niveau des positions, prenez une position, j'ai envie de dire, sur laquelle vous êtes à l'aise. Alors, ça paraît bête comme ça, mais vous faites pas mal, enfin vous cassez pas l'avant-bras, vous cassez pas le poignet, les doigts, etc. Si vous avez mal aux doigts, mal au poignet, bah c'est que votre position n'est pas bonne et que, enfin, elle n'est pas bonne pour vous. Donc vraiment, faites une position où vous avez pas mal, dans un premier temps. Si vous jouez sur une guitare classique, alors vous pouvez jouer avec les ongles. Si vous jouez sur une électrique ou une folk, vous pouvez jouer avec la pulpe des doigts, juste le petit bout. Une autre chose aussi, c'est que vous avez plusieurs manières de jouer les arpèges. Alors, au doigt, par exemple, surtout au pouce, enfin même les autres doigts. Par exemple, quand vous jouez la basse de l'accord, sur un Mi par exemple, bah, vous pouvez le jouer soit en l'air, je dirais, comme ça, soit ce qu'on appelle en espagnol l'apoyando, c'est-à-dire en buté, c'est-à-dire que le pouce vient buter sur la corde qui suit, tout simplement. Voilà. Par exemple, sur un arpège de base, par exemple, on peut faire... Un truc super important aussi quand vous jouez en arpège ou même en mélodie au début, surtout quand on débute, c'est de jouer fort. Alors je suis pas en train de vous dire de déglinguer vos cordes, surtout pas, mais si vous jouez comme ça tout doucement, alors vous devrez mettre l'ampli à fond pour qu'on vous entende bien et vous n'allez pas entendre vraiment ce que vous jouez. Et ceux plus tard avec qui vous jouerez vous entendront pas. Et de plus, si vous chantez en même temps, votre chant va couvrir forcément votre arpège. Donc, jouez fort. Comme ça, au pire, si vous plantez, vous le saurez et vous saurez ce que vous aurez à bosser. Jouer fort, hein, pas forcément comme ça, hein. Non, là c'est dégueulasse, mais vraiment qu'on vous entende bien net. Voilà. Deuxième partie de cette séquence, je vais vous proposer très simplement quelques doigtés de base quand on joue en arpège. On va commencer par pouce, index, majeur, annulaire. Si on prend par exemple sur un accord de Do, pouce index majeur. Faites attention à ce que toutes vos cordes résonnent et pas qu'il y ait de un truc comme ça. Non, vraiment, faites que ce soit propre. Voilà, et si vous vous plantez, c'est pas grave, vous recommencez. Etc. Pouce, index, majeur, annulaire. PIMA. Deuxième, dans le sens inverse,
on va faire pouce, annulaire, majeur et index. J'insiste bien quand vous faites les arpèges et même quand vous travaillez une mélodie, travaillez-la lentement mais proprement. Rien que sur ces deux doigtés-là, je vais mettre une batterie à 55, donc toute lente, et on va faire un temps, un doigt. Ensuite, même vitesse pour l'autre arpège, pouce, annulaire, majeur, index. Etc. On va avoir un troisième doigté, j'avais 203, qui va être pouce index, pouce majeur, pouce annulaire et pouce majeur. En fait, on fait les quatre doigts au fur et à mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce qui donne... etc. Voilà, pour ce premier tuto, on va prendre ces trois modèles d'arpèges. Donc, pouce, index, majeur, annulaire. L'inverse, pouce, annulaire, majeur, index. Et ensuite, un arpège un peu plus complexe, mais abordable. Pouce, index, pouce majeur, pouce annulaire et repousse majeur. Etc. Troisième partie du tuto, donc des conseils pour accompagner quand vous chantez en arpège. Alors c'est toujours un peu délicat quand on fait un arpège, surtout au début, et qu'on veut chanter en même temps. Donc j'ai envie de vous dire, très simplement, quand vous avez la partie sans le chant, à ce moment-là, faites un arpège un peu évolué, enfin quelque chose que vous maîtrisez et que vous arrivez bien à faire. Alors par exemple, ça peut être celui qu'on vient de faire en dernier, qui va être pouce index, pouce majeur, pouce annulaire et pouce majeur encore, comme celui-là, on va faire par exemple sur la corde Ré. Etc. Et quand vous chantez, si vous n'arrivez pas à faire cet arpège au début, ben, j'ai envie de vous dire, faites un arpège que vous maîtrisez et faites un arpège simple. Ça peut être juste des pouces index et des fois un pouce majeur si vous n'êtes pas très à l'aise.
Par exemple, là, vous chantez, vous pouvez vous contenter, au début, de faire... Après, quand vous changez d'accord, ça passera tout seul. Et à force de faire ça, naturellement, vous allez enrichir par un petit pouce majeur, un petit pouce annulaire, qui viendra enrichir le tout. Et de toute manière, dites-vous bien que le chant est déjà là. Il y a la mélodie du chant. Donc si la guitare est peut-être un peu moins riche, c'est pas très très grave au début. Enfin, c'est même pas grave du tout. Il n'y a rien de grave. C'est pas forcément super important. Le chant est censé être en premier. Et censé être en avant. Donc si des fois il y a une mélodie trop compliquée derrière, c'est pas forcément le mieux non plus. Donc au début, imaginons si vous avez une base d'accord mi, do, ré, ré, supposons. Ben, contentez-vous de faire au début, hein. Merci Séverine pour cette idée de tuto. Si vous avez d'autres besoins, d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires juste en dessous. Amusez-vous bien et à très vite pour un nouveau tuto. Ciao !